Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va parler? La Dualtron Mini spéciale 13A, la 2024. En fait, elle vient tout juste d'arriver et du coup, on s'est dit bah, un petit unboxing, on va découvrir ensemble. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu, vous voyez. Il n'y a pas de scotch recollé, je ne sais pas comment elle est. On va voir ça de suite commencer. Alors vas-y, approche-toi. Déjà, on va la déballer. Allez. Moi, ce que je veux voir, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment comme nouveauté pour 2024. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, qu'est-ce qui est marqué là? Dualtron Mini spécial 52 volts, 13 ampères, IPX5. Bon, donc ça veut dire que déjà, moi, ce que je sais, il y a ceci, donc ça veut dire qu'il va y avoir un A3 connecté avec application. Et ça, les gars, c'est un gros plus. Ensuite, bon, on a toujours notre petit chargeur 58 volts, 1 volt, 2 ampères. On a toujours... alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, enlève-moi ça, dis donc. Le multi-outil, le câble pour le chargeur, les trois bouchons de protection d'écrou, guidon pliable, donc de loquet. Le dessus avec les 4 vis pour la potence. Et la télécommande. Donc toujours avec télécommande, ce qu'on peut voir. Les deux poignées. Bon, allez, j'ouvre. Moi, ce que j'aime avec Minimotor, c'est que c'est bien emballé. Il n'y a pas de risque. Alors, voyons un petit peu cette mini. Alors, tiens, vas-y, approche-toi. Montre-nous un petit peu la caméra, là. Voilà. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre petit A3 connecté en couleur. Donc ça, déjà. Parce que l'avantage, c'est qu'il est étanche. Les nouvelles LED, comme on a, en fait, sur... Eh, mais il n'y a pas que ça. Aïe. Les gars, je viens de voir un truc. Je ne sais pas si vous me voyez, là, la caméra. Je viens de voir un truc... Je vais la sortir et ça fait plaisir, pour moi en tout cas. Et on la déballe, on la monte et on se retrouve de suite. Bon les gars, ce qu'on a fait, on l'a quand même sorti juste du carton et on va vous montrer en fait comment on monte les différents accessoires. Donc en fait, pas compliqué. Vas-y, approche-toi. En fin de compte, donc là du coup, le support pour le display, il est déjà en place. Donc ça veut dire qu'on va avoir juste à installer... Donc directement levée de frein ici. Et ensuite, on va installer le deuxième levée de frein. Une fois que c'est fait, très simple, on va prendre les deux poignées caoutchouc. Alors moi, pour les poignées caoutchouc, pour les mettre en place, je m'embête pas. Je prends la petite bombe de nettoyant frein. Voilà. Et je mets en place directement. Voilà, et là, ça va sécher directement. Donc une fois que les deux poignées sont installées, ce qu'on va faire, on va mettre directement le dessus de potence. Donc, petit dessus de potence fourni avec 4 vis. Donc pour ça, soit en fait, tu prends le multi-outil. Bon, bien sûr, nous, on a l'avantage d'avoir l'atelier. Donc on va prendre une clé Allen de 5 pour serrer directement. OK, ensuite, on va faire notre petit réglage du lever de frein. Donc toujours avec la clé N25. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre une clé de 3. Donc tu viens dévisser en fait les deux vis au-dessus du support. Puis bien sûr, une fois que c'est fait, bah, en fait, il n'y a plus qu'à mettre directement les deux loquets. Du coup, bah, ce que je t'ai pas dit juste avant, quand tu mets le guidon, pense à vérifier qu'en fin de compte, ici là, ces deux pièces là, tu vois, quand je mets ici, en fait, ça ne vient pas se mettre emboîté. Donc, vers l'arrière, pour que ça s'emboîte. Bon, tu me diras, ça ne change rien, mais normalement, chez Dualtron, cette pièce-là vient vers l'arrière une fois que c'est fermé. Voilà, c'est bon. Donc, guidon monté. Donc, pour résumer, on va avoir les 4 vis du haut de potence à installer. Les deux vis bah, pour fixer donc, directement le display. Et puis, bien sûr, emboîter donc, les deux levées de frein et les deux poignées. Bon, maintenant,
Les gars, on va découvrir vraiment qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté pour 2024. Déjà, ce qu'on peut voir. Petit i3 connecté, étanche. Ensuite, ce qu'on peut voir également, moi ce que j'aime, c'est le système de pliage. Le système de pliage a été renforcé comme sur la mini bimoteur. Alors quand je dis renforcé, c'est qu'en fait cette pièce-là va être plus large que la mini spéciale qu'on avait avant. Ensuite, l'axe de pliage, donc le diamètre qui va être renforcé. Ensuite, il n'y a pas que ça, la béquille. Béquille comme sur donc, la mini bimoteur. Ensuite, il n'y a pas que ça. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le pneu comme sur la mini bimoteur, la pop, la togo. Donc, un pneu renforcé. Ensuite, la jante avant. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que cette jante avant, c'est la même que la togo et que la pop. Donc, un nouveau modèle. J'en dis pas plus, mais en tout cas, pour moi, c'est hyper intéressant. Ensuite, ce qu'on avait avant sur... Tiens, regarde. J'ai un modèle ici qui vient de l'atelier. Cette mini-là, ce que tu peux voir, c'est que ici, tu as un trou là. Tu vois, ici là. Voilà. Et bien, en fait, ici, sur ce modèle-là, ils ont renforcé ici. Tu vois, c'est plein. Donc, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Au niveau du port de charge, on est toujours ici. On a toujours le petit bouton pour allumer, éteindre toutes les lumières. On va avoir donc protection silicone sur le deck, protection silicone sur les cale-pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va voir s'il y a des choses encore différentes ou pas. Allez, ça, on y va de suite. Ouvrons cette Dual True Mini là. On va voir un petit peu ce qui se cache en dessous. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, j'aime bien vérifier. J'aime bien voir ce qui se passe là-dedans. Les dernières vis pour découvrir un peu l'intérieur de la bête. Donc, hop. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés un petit peu? Voyez un petit peu. Si. Il y a quand même des nouveautés. Là, je te laisse découvrir un petit peu. Moi, je vois quelques nouveautés. Mais en fait, ce que je peux voir, c'est quand tu vois, c'est que ça, en fait. Souvent, en fait, c'était un problème de panne. Et bien, en fait, ils ont étanchéifié avec de la gaine thermo. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est un plus. Non, non, ils ont travaillé. Regarde, la gaine thermo, tu la vois un petit peu partout. Ok, donc du coup, en fait, ils ont rajouté, ben, en fait, comme on voyait un petit peu sur la Forever, qu'ils avaient mis de la gaine thermo un peu partout, je crois que c'était sur la Eagle aussi, la 2024. Et bien, en fait, compte, ils ont été nous mettre de la gaine thermo un petit peu partout, pour justement jouer sur l'étanchéité. D'accord, ok, bah, super nouvelle. Bon, je vais pas tout démonter, ça sert à rien. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, on va la remonter, on va voir un petit peu les derniers éléments. Yes, bon, c'est bon, déjà ça, c'est remonté. Maintenant, ce que je vous propose, c'est comment s'appareiller directement à l'application. Et ça, on va voir ça de suite. Donc en fait, c'est très simple. En fait, tu télécharges directement l'application Mini Motors. Et là, une fois que c'est donc, directement téléchargé, tu viens créer ton compte. Et ça, après, on va voir pour l'appareillage de suite. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas directement sur le menu principal et tu vas aller sur Mi en bas à droite. Ensuite, tu vas aller sur Settings. Tu vas aller sur Initialize Device. Là, ça recherche donc directement la trottinette, donc là, la Mini. Tu confirmes. Une fois que c'est fait, donc là, on cherche Dual True Mini. C'est la 52 volts 13 ampères. Voilà, confirmé. Donc là, ce que tu verras, c'est que ta trottinette donc directement va s'éteindre. Donc tu vas directement appuyer sur le bouton Power pour la rallumer et aller sur Device. Ensuite, tu vas aller sur Rechercher scooter. Une fois que c'est fait, Mini, confirmé. Donc là, il faudra mettre directement le numéro de série. Le numéro de série va commencer par DM. Donc là, tu rentres directement le numéro de série, DM. Une fois que c'est fait, donc là, tu peux autoriser à se connecter à plusieurs comptes. Ensuite, tu vas pouvoir reset le password. Donc reset password, d'origine, c'est 4x0. Et après, tu peux mettre le mot de passe que tu veux, 2 fois à 4 chiffres.
Ensuite, une fois que tu as parié dessus, donc tu vas avoir tous les paramètres, donc pour mettre le mode écho, pour baisser la puissance, la vitesse de pointe, le CCS qui a été désactivé, l'ABS, personnellement, je te le déconseille, hein, ça donne plein de vibrations, c'est pas agréable. Ensuite, le mode pas, donc si tu le désactives, en fait, dès que tu appuies sur la gâchette, la trottinette va accélérer. Là, avec le mode pas, il faut donner une impulsion, ce qui n'est pas gênant. Sur ce modèle-là, donc là, du coup, on a encore le système avec télécommande, donc le light switch ne va pas fonctionner. Protection, donc ça en fait, c'est ce qui permet, donc là c'est 4x0, j'ai laissé le paramètre usine. Donc en fait, quand on allume la trottinette, soit en fait tu rentres le code manuellement, donc avec le bouton du milieu sur le display, tu choisis le chiffre, le bouton de droite pour passer au deuxième chiffre, et le bouton de gauche pour valider donc directement le code. Ensuite, tu vas avoir au milieu à droite, donc mort, où tu auras les différents paramètres. Donc du coup, l'écho pour l'activer, un paramétrique donc en kilomètres ou en miles au niveau de la vitesse, batterie, pourcentage, donc là le display. Ce que tu peux faire, c'est avoir directement le pourcentage affiché quand tu allumes la trottinette au lieu du voltage. CCS, donc là du coup, qui a été désactivé, le mode pas que tu peux activer. Le starting effet, donc c'est la puissance au démarrage, 0 full, démarrage plus rapide. L'ABS qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Le BS, alors du coup, c'est le frein magnétique, c'est-à-dire quand on freine, c'est un récupérateur d'énergie. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser sur 1. Speed limit, c'est pour utiliser donc 100% de la vitesse et 100% de la puissance. Wheel diamètre, donc c'est le diamètre des roues qui est réglé sur 9 d'origine. Pôle pair, donc ça, c'est les aimants, 15. Le mode de conduite, donc c'était un peu comme à l'époque avec le P9, où on était donc le P9 à 1, mode éco, P9 à 3, pas de mode éco. Donc c'est un petit peu ça, donc P9 à 3, donc qui correspond au mode escalade. Mais bien sûr, tu perds en autonomie. Autoriser d'autres connexions, donc ça c'est pour pouvoir en fait avoir plusieurs personnes qui utilisent avec des comptes différents. Le safe mode, moi personnellement je le désactive parce qu'en fait au bout de 10 secondes, la trottinette, quand on arrive à un feu, ben, faut appuyer deux fois sur le frein pour désactiver le mode safe pour pouvoir après réaccélérer. Le pré-mode BMS Cut qui permet qu'à partir de 20%, la batterie se met en mode éco. Donc moi, je le laisse activer. Donc c'est une sécurité pour la batterie. L'auto power off donc, qui permet qu'en fait, au bout de 10 minutes, si on ne touche pas la trottinette, elle se coupe. Donc bien sûr, ça c'est réglable. On peut mettre au bout de 5 minutes comme on veut, comme à l'époque, sur le Hectron, ancienne version. Protection, donc ça c'est pour pouvoir avoir le système de code quand on allume la trottinette. Device password, donc c'est pour modifier le code à 4 chiffres justement pour la protection. Le brightness, donc c'est pour avoir le rétroéclairage, donc la luminosité et la mise à jour du firmware. Donc voilà un petit peu pour l'application. Donc voilà un petit peu pour l'application, comment ça fonctionne. Bien sûr, tu as la télécommande pour modifier donc les couleurs des LED. Donc là, en fait, tu vas avoir. Vas-y, vas-y, approche-toi, approche-toi. Montre un petit peu. Donc le bouton en haut à droite pour éteindre, allumer les LED. Bouton CS qui va te permettre de choisir en fait la couleur des LED que tu veux. Le bouton C7 qui te permettra de pouvoir mettre en fait un multicouleur. Et puis pour remettre comme à l'origine d'usine, tu as le bouton jaune qui est ici. Et qui permet d'avoir un défilement avec les nouvelles LED. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à la Mini 13 spéciale 2024. Déjà, ce qu'on va avoir, A3 connecté, qui va te permettre de faire les réglages puissance, qui va te permettre de pouvoir également pouvoir mettre un code pour la sécurité, au lieu de mettre un système d'alarme ou un contacteur à clé. Tu as directement, donc soit tu rentres le code manuellement, soit tu allumes ton application et tu déverrouilles la trottinette via l'application. Ensuite, bien sûr, on a les nouvelles LED. On a la nouvelle jante avec le pneu renforcé, donc moins de crevaison. Ensuite, bah, et je retourne quand même, la nouvelle béquille. Et puis, bien sûr, le pneu renforcé. Donc, ce qui veut dire que. Et puis surtout, moi ce que je vois, c'est que le système de pliage a été renforcé comme sur la Mini bimoteur.
Donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que cette Dualtron Mini, donc dès aujourd'hui, si vous la commandez chez nous, ce sera ce modèle-là. Ce n'est pas une ancienne version qu'on va vous envoyer, c'est vraiment ce modèle-là. Donc, c'est hyper important de le signaler. Et puis, l'étanchéité a été revue. Donc, l'écran est étanche, mais à l'intérieur, ils ont quand même revu pour éviter quand même le coup de panne qu'on pouvait avoir avant. Donc, en tout cas, merci Mini Motors. Voilà. Bon, en tout cas, et si t'as aimé la vidéo, un petit like, un commentaire, un partage. Et puis, si t'es nouveau, tu peux t'abonner et on dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !